Merci de soutenir ce type d'agissement. En tout cas, t'es un brave mec qui aime entuber ta commu. Cependant, j'espère que tu réaliseras que tu as dupé ta communication. Sauf si c'était volontaire, ce qui est possible. Mais c'est un ouin. Le gars, il parle comme si tu travaillais chez Ori et que t'as fait une publicité mensongère. Mais c'est interdit au poids lourd. Mais pas la première. Tu t'es trompé, Nico. Tu t'es trompé, tu pars sur une route inexistante là. Oh merde. Bah lui, il captera plus la télé, hein. Je lui ai cassé la parabole. Hein. J'ai entendu une dame en train de râler derrière, ça va, Fox? Non, mais ça va, c'est parce qu'elle va à la douche. D'accord, bah j'arrive. Bah oui, c'est la remorque de Kron, la nouvelle remorque. Mais c'est pour la consommation. Moi j'ai les gars de la TLF qui roulent pratiquement avec cette remorque et ils ont divisé leur consommation, mais c'est énorme. Oh le PDG. Mais non, mais c'est non, mais c'est vrai, Nico. Un zeste dans mon portefeuille, je me sens bien plus libéré depuis que mes chauffeurs conduisent au colza. J'ai réduit de 60% d'émissions de CO2. Et alors les taxes, c'est allégé, c'est un vrai bonheur. Hein. Oh, alors ils font que 50 km. Oh oui, et puis ma femme, c'est une cochonne. Hein. Et bonjour. Ah. Ah. Allô. Tu m'entends? Allô. Ah, ça y est. Allô, mon cochon. Ah, tu m'entends bien là? Bah, bien sûr, alors, mais il faut pas se mettre le micro dans le fion. Ah, pardon. Bah, tu sais, des mauvaises habitudes, hein, comme ça. Ça va bien? Ça va. Oui, toi, mon Nico? Eh ben, ça va super bien, merci. Bon, nickel. En tout cas, je suis content de voir que dans ton boulot, tu es éclaté et tout, c'est cool. Bah, écoute, ça va. Hein. Franchement, ça me fait plaisir pour toi. Bah, moi, j'ai pris une Schmitz Gargobule. Ok. Alors, attends, parce que. Mais embâché. Embâché. Ok. Parce que, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas ton truc de Schmitz, moi. Ah, oh. Mince. Attends. Mais c'est pas grave. Attends. C'est pas grave. De toute façon, on s'en fout, tant que c'est une bâchée, hein. Oui, alors attends, bouge pas, mon petit Nico. Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Mais moi, c'est bon, j'ai une bâchée, là. J'ai une classique standard bâchée. Turbo. C'est pas bon, ça. De quoi? C'est pas la passion. Mais gros, mais ça sert à rien, mais non, fais pas ça. S'il te plaît, écoute-moi. D'accord, chouchou. C'est gentil, merci beaucoup, mais voilà, c'est pas la peine. T'es sûr que tu veux pas? Mais j'en suis persuadé, t'inquiète. Bon. Merci beaucoup, Bichette, c'est super sympa. Bon. Non, espèce de fou. Comment ça va? Ça va et vous, Sébastien? Bien. Et bon. Salut à tous, c'est Fox. Et Miss, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Moi? Ah voilà, Fox à chaque fois quand il rejoint c'est toujours discret. Ouais. Mais non, parce que à chaque fois en fait, eh bien, quand je branche mon micro, enfin que j'appuie sur le Stream Deck pour le micro, eh bien, ça me coupe tout le son. Faut que j'aille dans la barre de tâches et remettre le son du. Oh là là. Ouais, c'est pas, écoute, hein, c'est comme ça. Puis quand je ferme le volet, j'ai l'écran qui s'éteint. Alors il faut que je revienne. Pierre sur Fière, c'est nouveau à côté de Charleville et Saint-Angel. Un des derniers petites villes, on y avait été, tu te rappelles pas? Ah non, moi non. T'avais, c'était la route qui longe l'océan et toi t'avais roulé sur l'océan. Ah ouais? C'est pas là où t'avais fait Moïse. C'est moi Moïse. Ah, je savais pas que c'était ici. Ah, quand on était avec Transport 24. Oui. Ah bon? Ouais. Mais oui. Cette fois-là, excellent. Aussi. Ouais, Transport 24, on avait roulé sur le continent. Lors du premier live que j'avais fait. Oui. Ah, vous êtes sûr? Oui. C'est ça. J'y suis resté une heure dessus, alors crois-moi, ça va chier. Oh, c'est génial, toi aussi t'as pris celui-là. Si je tourne à 20 FPS, ce sera maximum. C'est la passion, là. Mais oui, parce que en fait, c'est le mode du moment. C'est le mode du moment parce que, bon, c'est vrai que Yellow l'a présenté. Moi, je l'avais récupéré parce que sur le workshop, je suis le modeur. Et je l'avais récupéré, bon, Transport 24, enfin, Yellow a fait la vidéo. Et puis, quand j'ai regardé ta vidéo Turbo, ben, j'ai vu que c'est tu l'avais pris. Et du coup, ben, j'ai dit, pourquoi pas l'utiliser, parce qu'il est
archi complet et encore c'était on utilise... Turbo le premier non. Si. Enfin, non, Yellow. Non, c'est non. Yellow qui l'a présenté. Non. Alors moi je l'ai mis sur Instagram et après les vidéos sont arrivées. Ah bon, bah, je crois non, que mais le après, premier. Non, non, le deuxième. Non, non, bah, après il y a pas une question. Tu as été le premier que j'ai regardé en tout cas, tu es le premier dans mon cœur. Oh, merci mon chéri, c'est trop gentil. Et encore c'est qu'une partie, c'est allez, on va dire même pas 40% du mode parce que il y a pas que ça. Là, on ah utilise ouais que le mode principal, mais il y en a toute une chier qui ah vont ouais avec. Ah ouais. Et c'est barjo. C'est franchement le mode gratuit. Et tous les modes qu'on peut avoir, en plus, tu peux avoir plusieurs sons de moteur. Enfin, c'est impressionnant. Ah, mais il aurait fallu rajouter ça parce que, en fait, Turbo, c'est un escroc. Parce que c'est vrai que dans sa vidéo, il dit qu'il y a le son qui va avec. Mais même si les joueurs, ils ont dit dans les commentaires, et moi aussi, je vais le dire, et ben, c'est qu'en fait, c'est le son vanilla. Ah oui, mais pourtant, dans ma vidéo, j'ai bien montré. Oui. Dans le gestionnaire de mode, je n'ai aucun mode son. Oui, mais tu cheats, t'as changé ta config, t'as changé tes dossiers config. Mais c'est pas grave, c'est le bruitage. C'est pas grave. Non, mais après, c'est impossible de vous mettre tous les modes parce que je crois qu'il y en a 6-7. Et en plus, il y a des modes, ça c'est compliqué pour avoir le son. Il faut aller chercher des fichiers def. Enfin bon, c'est tout un bordel. Mais franchement, celui qui prend les 6, 7, 8 modes là, c'est un camion d'enfer. Hein. C'est hallucinant, mais surtout gratuit. Surtout gratuit. D'accord. Ouais. Du coup, j'ai hâte. Ça veut dire que Turbo Fox et moi, déjà, on a le même camion. Et toi, Seb? Ouais. Ah, vous verrez bien. Ah là là. Bon bah, Seb, il nous a sorti un Volvo, je pense. Mister Kalash, bien sûr, vous n'avez aucune nouvelle, j'en suis persuadé. Ben, j'ai regardé aussi sa dernière vidéo et je sais qu'il était un peu malade. Oui. Mais bon. Il nous snob. Ah bah quand on parle du loup. Mais non, il est là. Ah non, My Goodness. C'est My Goodness. Alors, je suis pas du tout déçu. Alors, attendez, parce que là, je vous explique. Ça fait le mec déçu que ce soit My Goodness. Oh, grave. Ah, c'est génial. Bonjour, My Goodness. Bonjour, My Goodness. Bonjour. Vous allez bien, My Goodness? Ça va et vous? En tout cas, je suis très content que vous soyez là. Ouais, moi aussi, je suis content d'être là. Merci de soutenir ce type d'agissement. En tout cas, t'es un brave mec qui aime entuber ta commu. Cependant, j'espère que tu réaliseras que tu as dupé ta communication. Sauf si c'était volontaire, ce qui est possible. Oh là 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 là, mais c'est un ouin-ouin. Un fils de... Le gars, il parle comme si tu travaillais chez Ori et que t'as fait une publicité mensongère. C'est ça qui est fou. Tu dépends comme tout le monde, en fait, de comme nous. Alors, tu vois, tu peux lui répondre, tu vois, la FNAC. Il est disponible et il y a marqué voir la disponibilité en magasin. Pardon. Ça fait t'as failli entourer la communauté Fox. Ouais. Attends. Ouais. Hein, tu entourloupes tes abonnés. Hein. Attends. Il transpire, il y a la goutte de sueur au front. Là. Fox, c'est une vidéo parallèle, mais il entube la communauté. Bon, ben j'ai trouvé que sur le bon coin. Il est à 549€ déjà de. Oui, c'est moi qui le manque lâché. Tu sais, quand tu crées le convoi, faut mettre les modes facultatifs. Est-ce que tu l'as coché? Eh ben, faut le mettre, ça. Pourquoi tu m'engueules, Fox? Non, je ne me permettrais pas, déjà. Bonjour. Oh là là, bonjour, M-Colo. Oh, vous êtes joli. Alors, attends, là, c'est qui devant moi? Alors, t'as Seb avec le camion bleu et moi avec le rouge. Ah ouais, avec les feux qui clignotent, j'ai fait pareil. Ah, c'est trop la classe, fais voir, toi. Bah là, ils sont activés, je passe, tu vois. Ah ouais, c'est cool. Excellent. Il n'empêche, je trouve qu'il y en a deux qui se démarquent. Hein. Oui, moi aussi. Il s'avère que ces deux ont une remorque. Non, je rigole, vas-y, je me lance des fleurs. Incroyable. Ah oui, c'est vrai, la remorque, merde. Bon, bah, prends une remorque avec 32 essieux aussi. Hein. Oh, ça va. Hein. Excellent. Business as usual. Ah ouais, toi, t'es très business, Fox. Hein. Ah ouais, hein. Ah bah, Fox, ça t'a mis tous les 3 ans. Que moi. Ah, toi aussi, business as usual. C'est quoi qui va pas? Qu'est-ce qui va pas, quoi? Mais je sais pas, j'ai pas compris. T'as dit quoi? Business, quoi? Mais c'est ce que t'as mis sur ton pare-brise. Ah oui, et l'autocollant. Ah oui. Merde. Oh, j'ai vraiment du mal avec le volant Ori là, déjà qu'il est pas commercialisé et que c'est une fraude le truc là. C'est bon. My goodness, faudrait que t'avances, s'il te plaît, alors. Alors attends, je gêne encore. Oui. C'est pas grave. Où est-ce que je dois me mettre? Voilà, mon Nico, mais c'est putain, bon. Mais putain, mais qui c'est qui a mis un Fenwick? Ah bah, il y a Mister Kalash avec son car derrière. Ah, excellent. Et comme d'habitude, bah voilà, il va faire chier l'entrée du dépôt. Voilà. Ah ouais? Voilà, voilà.
Ah putain, bravo, les bravo. Bravo Mister Kalash. Bien joué. Ah c'est pas vrai. Ah, t'arrives pas à te mettre. C'est pas ça. Je suis parti sans la remorque. Tu l'avais déjà pas fait cette blague une fois. Putain, si, si. Pas vrai, mais merde. Si, si, il a déjà fait. Attends, je la reprends, hop. Putain. T'as vu ça, ça s'est transformé carrément. Transformers. Ou comment ça se fait que t'as pris cette couleur jaune là? Pourquoi? Bah je sais pas. D'habitude tu prends, t'es plus dans le bleu, turquoise, rose. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais arrête. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais si c'est vrai, c'est rare de te voir dans une couleur jaune comme ça. Ah ouais? Qu'est-ce que tu me racontes toi? Putain, c'est vrai qu'il envoie de la patate hein, ce camtar là hein. Ah oui. C'est un combien que t'as pris? 730? Oui. Je sais plus moi ce que j'ai. Parce que le ouais, 730 ouais. Il pue le sexe. Ouais. Ah le 730 il est pas là pour rigoler. Hein. Comment ça il pue le sexe? Eh ben. voilà, de suite. Eh ça vous dit de nous attendre ou? Bah moi bon. J'aimerais bien mais les copains devant ils tracent. Ah bah y a personne. Mais non, quand même, attendez, parce que Fox et nous, on est les papilles là. Alors on vous attend. Bon, bah je vais rouler à 30 km/h avec mon truc de 700 chevaux là. Ah ouais, mais ils sont loin en plus. Vous savez, moi j'ai le Ori Force Feedback Truck System alors. Ouais, point à droite ou en bas pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Hein. Bah oui, mais bon. Mais c'est interdit aux poids lourds. Mais pas la première. Tu t'es trompé, Nico, tu pars sur une route inexistante là. Oh merde! Oh non, c'est pas possible. Je sais même pas où aller. Salut à toutes et à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Oui, allez, et d'ailleurs, pour répondre à cette question, pourquoi j'ai pris le attendez, jaune mon truc, il tourne eh pas. Bien, tout simplement parce que Grand Utopia. J'ai pas compris. C'est jaune. Son camion jaune. Ok. C'est vrai que c'est un gros poussin. Qu'est-ce que ça fait un poussin de 600 kilos? Piou, piou. Ça fait. Tu fais quoi, Fox? Je regarde le rond-point avec les deux épouvantails, là, les deux personnages. J'avais pas vu ça encore. Ah oui, moi non plus. Tu vas bien me le dire. Profitons de la map, quand même. Découvrons. Bah, sûrement. Quoi? Bah, sûrement, oui. Sûrement qu'il faut regarder la map. Parce que moi je découvre tout le temps, c'est Grand Utopia, j'ai jamais fait du 100%. Bah moi ça va être l'objectif de ma série 100% Grand Utopia. Et t'as du bon courage. Ouais, il y a du taf. Parce qu'à mon avis, wow. Tu peux pas accéder déjà. Allez, spoiler alert, t'es niqué. Pourquoi vous faites ça les gars, sérieux? J'abandonne. Allez, en plus il a commencé sa série. Non, mais c'est... il y a des trucs qui bug et du coup des fois ça se découvre pas même si tu vas dessus. Et je sais pas comment faire pour régler ça. Ah merde. Putain. Eh bah tant pis, j'irai quand même. Et tu peux faire quasiment 100%. C'est pas que tu pourras pas y aller, mais c'est que t'auras pas le 100%. J'ai même plus envie de rouler en Iveco en Scania, là je vais reprendre un Iveco. Un Iveco. Il te faudrait un mode d'un Iveco. Voilà, je vais lâcher. Je vais lâcher le man que j'ai pris pour faire ça, puis je vais reprendre un Iveco. Bah ouais, pourquoi pas. Pour le jeter de la falaise. J'irai à mes viewers, fin de série. Au revoir. Oh là là, Fox. Ouais, j'ai laissé un commentaire à My Goodness. Lui c'était mensongère, on peut pas y aller, on peut pas faire 100%. J'ai mis le régulateur de vitesse, il arrête pas d'accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer. Mais il bombarde hein. Oui il arrive pas à rester à une vitesse constante. Ah bah il y a un 730 chevaux, c'est pas là pour rigoler hein. Ah moi c'est le régulateur, il marche bien par contre. Hop là, refus de priorité aux pompiers, c'est... ah bah c'est bon, il se gronde. Je fais comme Miss, je regarde plus dans les ronds-points, je jette un coup d'œil comme elle dit. Bien dit. Tu regardes pas? Si si, je jette un coup d'œil. Ouais, ça me plaît ça, t'es. Ah non, il y a une voiture qui s'intercale entre nous. Tout cela. Nico, il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça, il était tout le temps devant, à 140 à l'envers, à l'endroit, couché debout. Maintenant, il est derrière,
en mode pépère. C'est pas faux. C'est vrai, il y a une différence quand même. Oh, il s'est assagi. Ah ouais. Maintenant, il est. On dirait même qu'il est routier. Ah, c'est marrant. En tout cas, on peut être fier de lui. Ah ouais. Oh, c'est mignon. Viens là que je te fasse une pipe. Très joli ici. Je connaissais pas. Hein, ça me dit rien. Hein. Bah, dimanche alors. Mais si, on y est passé déjà là. Ah ouais. Ouais, mais c'est vieux aussi. Ouais, c'est une vieille zone. Ouais. Non, mais c'est vieux, ça fait longtemps. Mais vous vous souvenez, My Goodness, quand il a fait sortir ses textures vieillottes. Ah oui. Là, par contre, je crois qu'on est sur son autre de faire en sorte qu'on voie la montagne de loin, mais c'est toujours pas. Enfin, le jeu est toujours limitant. Bah voilà, c'est pas de ta faute, ça. Non, c'est pas. Bon, on le voit quand même de loin, mais après, t'as les textures qui apparaissent. Ah, moi, j'y vois pas parce qu'entre le pare-soleil qui descend à la moitié du pare-brise, plus le rideau en danis qui recouvre encore un quart de pare-brise, du coup, j'y vois pas. Dans le camion, là, il a abusé, le gars, quand il a mis les rideaux. C'est trop long, quoi. Non. Non. Bon, allez, c'est bon, on peut rien dire sur les Scania, de toute façon. Même jusqu'au rideau, on peut même pas en parler. Bah, tu devrais voir, il y en a qui roulent, ils voient rien, quoi. Ouais. Bah, c'était mon cas quand j'avais mon V8. Oh, le kekos. Ah ouais, on va avoir le vrai kek. Alors le vrai kek. tu pouvais pas faire plus kekos que moi. Je sortais le bras tout tatoué. Je le faisais pendouiller à la fenêtre comme ça. Ah, le vrai kek. T'étais utile d'avoir qu'un seul bras de bronzé, justement. Ouais, exactement. Exactement. Ah non, vraiment. Des fois, quand j'y repense, j'ai honte maintenant. Mais... En fait, le seul moment où Turbo il se mettait en autre tâche, c'était quand il se tapait le sboop sur le volant. Non, même pas quand j'étais en train de le laver. Ah, voilà, d'accord. Tu sais, avec la mousse blanche. Oui, bien. Ah. Voilà. C'était dégueulasse. Non, bah ça non, bah après, ça part au rinçage. Après, ça m'a fait plaisir parce que le jour, en qu'est-ce se promenant avec. Fox avec Madame Turbo, on l'a recroisé, mon ancien Scania. Ouais. Ouais. Ah. On l'a recroisé dans notre petit village. Excellent. Sympa. Ça m'a fait super plaisir de le revoir. Ça m'a fait bizarre et en même temps plaisir. Ouais, j'imagine. On peut même pas regarder le pont tranquille. Hein. C'est quoi? Tu me dis ce que je fais, mais je regarde le pont parce qu'il me fait penser au pont d'Aquitaine là. Et donc c'est une raison de rouler à gauche. Bah oui, parce que j'étais en vue extérieure. Hop là, je t'ai rentré dedans. Oh, moi, mon rêve, c'est d'aller à la. Non, vas-y, Seb. Non, je suis en train de repenser à Nico. La route de pierre sur fière que tu demandais, que t'as roulé sur l'eau, c'était pas avec. Si. Non, c'était pas la fois avec Yellow, pas du tout. Mais avec Yellow, on avait roulé sur l'eau, on était à Andrea. Ah oui, exact. C'était Andrea quand il a dit pour Moïse. Voilà. Ah donc, oui. Pierre sur fière, c'était une autre fois. Voilà. Il y avait pas Yellow. Cette fois. Donc vous avez tout confondu, donc voilà. Non. Elle est belle raison. L'eau, hein. Ouais, elle est belle. Eh mais c'est super beau là la droite là. Et là tu vois ça fait penser à un côté My Gotopia. C'est les sapins ça. Ouais. Je sais pas, moi j'ai juste envie de plonger de je saurais pas vous expliquer ce qui se passe. J'ai même pas envie d'aller dans l'eau mais il y a un truc qui se passe. L'eau est tellement belle. Colis, c'est ce tabarnak là. Et en plus elle a pas des textures vieillottes. Voilà. Le décor au loin, il y avait l'espèce des deux clochers là qui étaient dans le vide. Oui. D'accord. Et justement, quand on arrive, et en fait, le clocher est dans les airs. Ouais, vite fait. Oh là là, tu critiques. Oh là là. Si tu te rends pas compte, hein, tout ce qu'il fait, My Goodness, hein. Non, mais ça va, on va se tu détendre, sais que là, hein, c'est quand même un mode gratuit, là. Hein. C'est un mode gratuit, hein. Alors là, franchement, Fox, aujourd'hui, tu peux m'appeler le branleur, je ne dirai rien. C'est vraiment le cas. Les branleurs du Scania, là, on va se calmer, hein. Là, je suis à poil dans mon fauteuil gaming en cuir. Oh là. Je me suis ouvert les petits popis que j'ai récupérés de mon camion. Oh là. Par contre, c'est super stylé ici, My Goodness, hein, Jean Dubartaille. Ouais. Franchement, c'est super beau. Ouais. Merci. De rien. Ça allait beaucoup plus depuis que tu peux voir entièrement la ville qui est en face. Oh mais c'est super serré ici, dis-moi. Mais c'est trop bien ça. Ça c'est bien ça. Ah ouais. Ça me fait plus peur ça. Bah toi non. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Ça. C'est genre, rigolo. C'est genre de truc un peu. Oh purée, je passe pas. Je suis jamais passé là. Moi non plus. Je crois pas non plus. Non, parce qu'en fait,
la route que j'ai créée là, c'est la route qui va commencer au feu là. Donc en fait, vous aviez aucune raison de venir jusqu'ici, même si ça existait déjà cette zone. Oh putain, je me suis pris un balcon. Bah lui, il captera plus la télé, hein. Je lui ai cassé la parabole. Hein. Mais tu t'es pris un balcon dans les Balkans ? Oh. Oh nice. Ouais. Oh là là, et puis alors, un Strasbourgeois derrière moi qui klaxonne là. Un Alsacien. Alors ça, c'était vraiment pas du tout l'accent alsacien. Non, j'essaye, mais j'arrive pas. C'était Suisse, Suisso-Belgicos. Ouais. Ça, c'est la nouvelle route ou pas encore? Ça se voit. Oui, c'est... Attends, mais c'est my la goodness. Route que j'ai ouverte cette semaine. Ah, nice. My goodness, c'est moi qui ai pas joué depuis si longtemps ou c'est toi qui as step up de ouf là? Non, j'ai retravaillé un peu cette zone dans l'ancienne. Enfin, la mise à jour, la 1.16.1. Ouais. Donc j'ai un peu retravaillé, surtout ce qui s'affiche au loin, parce que c'est vrai que il y avait pas ça. Non mais même, on dirait que, je sais pas, t'as une autre façon de faire, enfin je sais pas comment dire. Ah bah peut-être que je me suis amélioré entre temps. Ouais bah je pense. Non, je kiffe. C'est vrai que le fait de voir en face là, sur la droite, c'est ça donne vachement de texture, de profondeur je trouve. Ouais. Ouais. C'est super chouette. Bah ça fait plus réaliste. Et même regarde les arbres. C'est censé être une baie, donc t'es censé voir l'autre côté quand même. Les arbres, c'est cohérent, c'est réel, il y en a ni trop ni pas assez, enfin je sais pas comment dire. C'est réel là, c'est très réel. Non mais là tout est trop réel, je te jure que je sais pas si c'est parce que j'ai pas prochain village n'est pas réel. Hein? Tu verras, le prochain village n'est pas réel. Ah ok, t'as tout donné là-dessus quoi. J'ai entendu une dame en train de râler derrière, ça va Fox? Non, ça va, c'est parce qu'elle va à la douche. D'accord, bah j'arrive. Super. J'ai un problème de vitesse d'ailleurs, faudra que je. Califragilisticexpialidocious. Voilà. C'est à peu près ça. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ma remorque que Camus n'arrête pas d'accélérer et de freiner quand je mets le régulateur? Alors, je pense pas que ta remorque soit possédée. Non, mais c'est la remorque électrique qu'il a. Ouais. Une remorque électrique? Ben oui, c'est la remorque de Kron, la nouvelle remorque. Et c'est-à-dire, elle est dopée sous IA et elle dit ah, j'accélère le. Non, mais c'est pour la consommation. Moi, j'ai les gars de la TLF qui roulent pratiquement avec cette remorque et ils ont divisé leur consommation, mais c'est énorme. Oh, le PDG. Mais non, mais c'est vrai, Nico. Tout le monde roule avec cette remorque dans les VTC. Un zeste dans mon portefeuille, je me sens bien plus libéré depuis que mes chauffeurs conduisent au colza. J'ai réduit de 60% d'émissions de CO2. Et alors les taxes, c'est allégé, c'est un vrai bonheur. Hein. Oh, alors ils font que 50 km. Oh oui, et puis ma femme, c'est une cochonne. Hein. Oh putain! Allez les verts, allez les rouges, allez les verts de rouge, saleté! Bah, d'après ce que j'ai compris, moi, ça serait comme par exemple une assistance comme un vélo électrique. Et d'après ce que j'ai compris, attention, je dis peut-être une connerie. Mais ce que j'ai vu, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Non, mais il faut mettre un casque! Bon, merde! Et alors, il faut pas oublier la petite clochette, hein. Dring, dring! Non, après, c'est sûr que, franchement, quand on voit une colo jouer avec, franchement, ça donne envie, franchement. Mais justement, Nico, là, ouais. Que c'est pas de la vidéo, c'est pas du machin, là, vraiment, le Ori, ouais. La qualité, la prise en main, même si tu l'as dit, mais je veux dire, toi, entre nous, vraiment, pour toi, c'est quand même top. Bah, je vais vous dire la vérité, parce que comme je suis un menteur dans mes vidéos... Mais non, mais vas-y. Non, bah comme j'ai dit, en fait, la vérité, c'est que c'est comme le... Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai, c'est comme maintenant un G29, en termes de... de retour de force. Mais encore, je sais qu'on peut pousser le truc un peu plus, mais j'aime pas quand c'est trop fort, tu vois, j'ai pas envie de faire mes biceps, quoi. Ouais. Maintenant, la vérité, c'est que là, tu vois, bah là, actuellement, je ressens là sur la route que ça vibre. Et ça vibrait pas comme ça avec mon G27. Après, c'est peut-être dans mes paramètres aussi, tu vois. Donc je ne sais pas, hein, je peux peut-être faire la même chose avec le G27. Mais G29. G29. Oui, mais là, le truc c'est que je vous fais je vous fais le comparatif avec le G27 parce que c'est avec le G27 que j'ai joué beaucoup à Euro Truck et le G29, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Alors voilà. D'accord. Sinon, maintenant, comme dit, en termes de prise en main, c'est juste un vrai bonheur.
Voilà, alors le seul truc, comme dit, ce que je préférais, c'est de pouvoir l'incliner, mais bon. Mais alors, d'après ce que j'ai vu, qu'il y aurait un adaptateur, il y en a plein qui en ont parlé, justement pour l'inclinaison, mais je vois pas comment, bah vu non. La tâche qu'il a. Bah, t'inclines ton bureau à la limite. Ah, il faudrait une pièce, vraiment une grosse pièce supplémentaire, quoi. Ça reflète quand même vraiment la réalité. Oui. Voilà, donc un adaptateur te ferait l'incliner, mais pour le mettre comment, par rapport à comment il est aujourd'hui? Qu'est-ce que tu racontes? Bah plus droit. Moi je trouve qu'il est, de ce que j'ai vu, alors Nico... Excuse-moi, j'ai... Moi, j'ai du mal à suivre Seb. Turbo. Fox. Moi je trouve qu'il est un peu trop à plat, ça ressemble vraiment au très vieux camion, quoi. Ouais, c'est exactement haut. Ça, ouais. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais savoir, c'est par rapport à un vrai camion ton volant, ben, aujourd'hui comme là, il est, le Ori... Là comme il est, en gros, pour t'expliquer, il est comme il est quand je descends du camion ou que je veux faire mes papiers... D'accord. Ou que je vais aller dormir, quoi. Et après, sinon, quand je veux conduire, hop, pssht, et je le baisse. Mais à ce point-là, quand même, là, comme il est aujourd'hui, là, ton volant, là, Là, pour moi, il est au max, comme si je faisais mes papiers dans le camion, tu vois. Mais ça veut dire que tu peux pas rouler comme ça, normalement, avec ton... Bah, les rênes de la route, elles y arrivent. Ouais. Ouais, donc c'est pas... Bon, je sais pas. Ouais. Bah, c'est ça le petit problème, quoi. Mais c'est... Bah, comme dit Seb, ça reflète bien, peut-être pour les vieux camions, mais les camions récents d'aujourd'hui, oui, c'est pas... Et moi, j'irais jusqu'à... Pour ceux qui jouent sur ATS, par exemple. Sur ATS, les camions... les camions US, eux, ils roulent avec... Surtout sur les anciens un peu classiques. Oui. Ils roulent carrément à l'inverse. Hein. Ils ont le volant, certains, qui est carrément incliné, quasiment comme une voiture. Hein. Ouais. Ouais, ok. Ils roulent beaucoup. C'est vraiment pire que nous. Par contre, c'est magnifique. Saint-Angèle, ouais, c'est beau.